Cette fois, pas question d'éteindre les fourneaux pendant 5 semaines. Depuis hier, ce restaurant a mis en place un système de livraison de repas à domicile pour tenter de maintenir une petite activité. Lors du premier confinement, son personnel avait été pris de court. Pendant l'été, il s'est préparé. Comme les restrictions ensuite au mois de septembre n'ont cessé d'accélérer pour tous les milieux café, hôtellerie, restauration. Donc c'était, on s'est dit ouais, ça va nous tomber dessus, donc il faut vraiment qu'on actionne. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait notre sélection de produits. Et du coup là, c'est vrai qu'aujourd'hui on est prêt, ce qu'on n'était pas prêt à faire au premier confinement. Par exemple, vous pouvez avoir des formules, si je vais dans la restauration, vous allez avoir voilà, nos plateaux de fruits de mer, des desserts. Plusieurs commerçants du quartier ont créé cette application qui permet de commander toutes sortes de marchandises en un seul clic. À part le restaurant, tous ces commerces ont le droit de rester ouverts pendant le confinement, mais ils veulent profiter de la crise sanitaire pour diversifier leur offre. Au-delà de l'aspect commercial, c'est aussi pour les professionnels de pouvoir revenir sur leur lieu de travail, avoir du sens, travailler des produits, pas rester confiné chez eux et être dans la morosité. Donc voilà, tout le monde y retrouve un petit peu son compte. Les Rennais, ça permet aux Rennais de pouvoir bénéficier de produits de qualité et aux professionnels de retourner sur leur lieu de travail pour travailler. Bon, merci. Ce sont les salariés qui livrent avec un triporteur et non des coursiers de plateforme comme Uber ou Deliveroo. Pour le moment, les commandes sont rares. Les commerçants espèrent que les consommateurs joueront le jeu dans les jours qui viennent.